une moyenne de 270 FPS. Avec une première bille qui est partie à 333 comme une balle. Hop là. Attention au petit joint, pas l'endommager. Donc là on avait l'ouverture maximale. Je vais resserrer maintenant, au maximum. Ici, numéro de série propre à chaque réplique. En lieu et place des stries de préhension ici, on va avoir des petits usinages à l'avant ici et à l'arrière, et ça agrippe quand même pas mal. Comme quoi, hein, ils font pas que n'importe quoi. Au niveau de la carcasse ici, on va avoir un rail Picatinny sur le devant qui va permettre d'attacher une lampe. Voilà, si vous voulez vous la jouer un petit peu tacticool. Les plaquettes, contrairement aux vraies qui sont en noyer, ici elles sont en plastique. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Alors, il fonctionne bien. Il est facilement atteignable. Le chargeur tombe bien. Par contre, une fois qu'il est maintenu, il est bien maintenu, il n'y a pas de jeu. Le chargeur s'intègre bien. Hein. Ici, on retrouve les mêmes usinages que sur la glissière. À l'avant également.